La parole est à monsieur Ugo Bernalici. Chaque jour, partout en France, je les vois abattus sous le poids des coupes. Nombreux sont ceux qui ne se relèveront plus, ne laissant rien derrière eux. On ne les entend pas, donc on préfère garder le cap et fermer les yeux devant ces paysages dévastés. Ils sont au cœur de réelles scènes d'anarchie que vous organisez. Pendant que vous restez sourd face aux revendications des Gilets jaunes sous couvert d'impératifs et d'urgence écologique, on détruit nos arbres et nos forêts qui préservent l'écosystème permettant la vie humaine grâce au stockage du carbone, au bon fonctionnement du cycle de l'eau et à la préservation de la biodiversité. Encore une fois, deux poids, deux mesures. Pourtant garant d'un service public de qualité, l'Office national des forêts et le sens du métier de forestier ont été sacrifiés sur l'autel de l'austérité, preuve en est la suppression d'un tiers des effectifs en 25 ans. Ah, ça, vous savez la manier, la langue de bois, en employant l'expression orwellienne de sylviculture dynamique, qui applique en réalité la même recette que l'agriculture intensive, court-termiste, qui épuise les sols et se gave de pesticides. Vous cassez ainsi le modèle de production historique, pourtant durable et respectueux de la forêt, ainsi que des femmes et des hommes qui y travaillent. Forestiers et militants désespèrent devant leur sort et celui réservé à nos biens communs, la forêt de Mormal, le Morvan, Saint-Gobain, la corniche des forts, la forêt de Retz, etc. Mais que fait réellement l'État de nos poumons verts? Ils génèrent un cycle mortifère, destruction de leur formation, remplacement des bûcherons par des abatteuses de 20 tonnes, détruisant tout sur leur passage, en particulier les routes forestières, tout cela subventionné par des collectivités qui n'ont plus les moyens de réparer les dégâts, sans parler des nombreux suicides chez les forestiers. Ils massifient les coupes rases et les damiers parfaits de la monoculture intensive, en lieu et place d'une sylviculture diversifiée. Ils méprisent les plans de gestion et le code forestier. Ils suivent une seule logique, le pognon d'abord, la malforestation ensuite et le climaticide enfin. Dans ce contre-la-montre face au dérèglement climatique, vous persistez à refuser la règle verte proposée par la France insoumise. Alors quand allez-vous interdire les coupes rases et la monoculture? Quand allez-vous renforcer l'ONF dans sa mission de gestion durable de nos forêts? Quand allez-vous reconstituer la formation professionnelle publique dans la filière bois? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. J'ai bien écouté avec beaucoup d'attention votre question, mais je n'ai pas compris de quoi vous parliez, de quel pays vous parliez et de quel sujet vous parliez. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Donc je vais répondre sur ce qui se passe en France, mais j'ai cru comprendre que ce n'est pas de notre pays que vous parliez. La forêt française, comme toutes les forêts, est un bien très précieux. C'est un joyau, c'est un capteur de carbone et aujourd'hui, tous les forestiers sont des gens qui aiment leur métier. Et ce gouvernement, comme Madame ceux qui l'ont précédé, considère que la forêt est un bien très précieux. Ça a été dit à plusieurs reprises par le président de la République, par le Premier ministre, par le ministre d'État. Dans le cadre de la transition énergétique, dans le cadre de la lutte pour un meilleur climat, la forêt joue un rôle essentiel. Alors oui, cette forêt française est un bien précieux et ce gouvernement veut garder ce bien précieux. Cette forêt surnuméraire, nous devons la gérer et les forestiers, notamment l'ONF, le gèrent parfaitement bien. Et je veux rendre hommage à tous les forestiers, à toutes celles et tous ceux qui travaillent à l'ONF. Je veux rendre hommage aux communes forestières qui entretiennent. Je veux rendre hommage à tous les sylviculteurs, ce n'est pas un gros mot. Je veux rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui entretiennent notre forêt. Notre forêt est un lieu indispensable. Cette forêt, je peux vous assurer, Monsieur Bernalici, que je suis tout engagé dans mes fonctions ministérielles, comme l'ensemble du gouvernement, à la développer, à l'exploiter et à faire en sorte que demain, nous en soyons encore fiers. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.